4h moins 7 minutes et on attend le taxi pour partir en circuit, je sais pas quoi, là, je sais plus quelle ville. Voilà, il y a la maman qui depuis tout à l'heure parle beaucoup. Et il y a papa qui est dehors ici. Je sais pas si on va le voir. Donc voilà, une longue journée qui s'annonce et c'est porté. Genre partout. Et on dirait qu'on attend du bus. On est réparti en bloc. Je sais pas si on va voir, mais il y a des affiches avec les destinations. En forêt, c'est archi joli. Il y a plein de je sais pas comment on appelle ça. Et il fait assez, il fait lourd. Il fait pas chaud, enfin pas extrêmement chaud, mais il fait lourd. Et voilà, je continue à filmer un peu et. Ce sont les marchés de mangue, enfin c'est plutôt un petit marché et c'est vendu environ 1 euro le kilo. Bon là on devait prendre un bateau pour passer de l'autre côté du fleuve
et continuer la route là-bas en fait. Parce qu'on pouvait pas passer en voiture. Donc ils font souvent ça ici, mais maintenant il y a des ponts qui se sont construits et ça commence à devenir de plus en plus rare, on va dire. Donc voilà. Ça les trucs qui amènent les voitures d'un côté à un autre journal. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça va pas vite hein. Ça va pas vite. Ça va pas vite du tout. On retourne dans le car pour aller directement de côté. Donc là vous avez les voitures qui sont dans l'autre sens en fait, qui vont prendre le bateau qu'on a pris pour arriver pour aller de l'autre côté. J'ai aussi remarqué qu'il y avait de plus en plus de voitures, et ça montre que le pays s'enrichit de plus en plus et que ça commence à acheter des voitures, quoi. Parce qu'avant, il n'y avait que des scooters, mais je préférais à cette époque-là, c'était mieux. On est juste venu manger. On va aller à notre hôtel maintenant. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis calée. Et j'ai mal au ventre. Donc voilà, bisous. Et tout à l'heure, on attend que le car relâche. Petit instant photo. Bon petit room tour. Hop, on a la salle de bain. Elle est où la loose? Non. Oh mais faut mettre la carte. Tu crois Leroy? Comment on va avoir l'électricité si on met pas la carte? Enfin. Bref. Il y a la salle de bain. Pas trop moche. Ça va. Il y a pire. C'est 2 étoiles. Il y a grave pire. Après là on a des télés. Merci pour l'attention. 2 lits qui sont extrêmement durs. Extrêmement durs. Donc là, mon père, il va dormir ici. Comment on éteint ça? Et ma mère et moi, on va dormir là. Et voilà. C'est tout. Oh, mais il y a une vue. Sinon, c'est pas rigolo, attendez. On est au 3e étage, donc on n'est pas trop haut. Mais assez pour voir le paysage, donc ça va. Il y a une maison en train de se bâtir, là. On voit les petits scooters. J'essaie de pointer, mais... Bref, je crois que ça, c'est notre car. C'est là. Donc voilà. Et là, tout ça, c'est des mangues. Des arbres à mangue. Attends, lequel? Papa? Qui est là? Qui est sur rien? Ah, bah tout ça, là. Ah oui, là, il y a des fruits. Ça, c'est des mangues. Bah oui, là c'est des mangues. Bah là on voit mon doigt. Et il y a des jacquiers, des fruits du jacquier ici.
Mais je crois pas que vous sachiez ce que c'est en fait. Donc bref, ça c'est des mangues. Donc voilà. Donc bref, faut que j'aille me laver. Faut que j'aille me laver. Maman, tu y vas avant. Tu y vas avant. Parce que j'ai un peu traîné sur internet avant. Et il y a un bouton qui a poussé sur ma joue. Là. Il déglingue de sa mère. Il fait trop mal. Voilà. Bref, j'ai enlevé mes chaussures aussi. Bref, à tout à l'heure. On va sortir. Enfin, on a eu un temps libre entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures jusqu'à là. Il est 17h. Il faut qu'on descende rejoindre les autres. Je suis habillée comme une clochard. Genre vraiment comme une clochard. Genre vraiment. Genre j'ai le t-shirt de mon père qui est délavé. Et Et en plus il est trop serré parce que je suis gonflée comme un ballon. Donc bref. J'ai lavé mes cheveux, merci mon Dieu, parce qu'ils étaient trop sales au-dessus. Donc là ça va. Et mes parents galèrent à fermer la porte. On a fini de manger, je suis calée de ouf, je suis obèse et j'ai trop chaud, du coup j'ai attaché mes cheveux avec une grosse pince. Là on va prendre des genres de tuk-tuk, je pense.
ou des motos, enfin des scooters taxi, pour aller retourner à l'endroit où il y avait les temples, pour acheter de la bouffe et acheter des souvenirs s'il y en a, parce qu'il faut que je ramène des trucs aux potes d'Australie et France. Vous, mes petites poules, donc voilà, on va y aller, mais j'ai trop chaud, je suis calée à fond, j'aurais voulu être au bout là, mais non, j'étais attirée dehors pour affronter la chaleur et la poussière. Du coup, ici, on utilise ces trucs-là qui rend la personne qui porte très très sexy et très très intelligente, parce qu'on dirait que qu'on va opérer quelque chose. Donc là, j'ai opéré quelque chose. J'essaie de regarder tout le temps là-bas, mais c'est parce qu'il y a l'écran et c'est chaud. Enfin, je peux regarder ici, mais donc voilà. Et en plus, ça donne trop chaud vu que ça renferme ce qu'on respire. Donc du coup, ça... Enfin, je raconte de la merde. Je vais me taire. Bisous à toutes. Je vais filmer le marché de nuit. Prendre le tuk-tuk. Pas prendre le tuk-tuk.